En archéologie, on parle de ce que l'on a découvert, ce que je viens de faire. Oui. On ne parle pas de ce que l'on va découvrir, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir. En fait, le nom officiel de ce village est le nom de Taset Maat, c'est-à-dire la place de la vérité. C'était le nom qui lui avait été accordé, si vous voulez, à l'époque pharaonique, au moment où ce village a été créé. Mais on sait qu'il portait aussi d'autres noms, puisque dans certains textes, il est plutôt désigné comme, en fin de compte, Parer. Parer, c'est le nom égyptien ancien. Et Parer, ça signifie la tombe avec un T majuscule. C'était simplement pour souligner que ceux qui habitaient ici avaient en main surtout eh bien, le creusement et la décoration des nécropoles, enfin des tombes des nécropoles royales. Et puis, dans d'autres textes, il est également désigné sous le nom de Padémi, c'est-à-dire la cité, la ville. Bon, alors vraiment, c'est un nom qui est un peu excessif quand on voit finalement la superficie de ce village, qui n'est pas excessivement grand. Il faut savoir que c'est un village qui a été créé, surtout, au début du Nouvel Empire. Et il semble, d'après les briques de fondation que nous avons retrouvées au niveau de la première enceinte du village, que c'est sous le règne de Thoutmôsis Ier que ce village aurait été créé. Alors il a été créé pour qui et pourquoi ? Eh bien tout d'abord, il a été créé pour recevoir des familles d'artisans. Mais pas n'importe quels artisans, des artisans qui avaient été choisis, bien sûr, par Pharaon, en raison de leurs compétences, de leurs qualités. Et des artisans, c'était surtout des artisans sculpteurs, tailleurs de pierre, peintres, décorateurs. Bref, tout un ensemble de corps de métier qui allait permettre justement de mettre en œuvre des chantiers qui étaient les fameux chantiers des tombes royales. Alors c'est vrai qu'à l'époque de Thoutmôsis Ier, on est encore dans une rive gauche, si vous voulez, où on n'a ni la vallée des rois ni la vallée des reines. On a une autre nécropole royale qui existe et qui se trouve située à Drahabulnaga. Drahabulnaga, c'est un secteur central de la rive gauche de Thèbes. Et c'est là qu'avaient été aménagées les premières tombes royales. Et elles ont été aménagées jusqu'à un certain moment, puisque nous savons, par une stèle qui semble remonter au règne d'Armosis, ou qui est peut-être légèrement postérieure à son règne, une stèle qui est très importante, qui est conservée dans un magasin de Luxor, que l'on désigne sous le nom de stèle de la tempête, et qui fait allusion à un véritable déluge qui avait eu lieu dans la région thébaine à cette époque-là. Et ce déluge avait d'ailleurs été tel qu'il avait détruit la nécropole royale de Thèbes. Alors cette nécropole royale, comment se présentait-elle à l'époque? Eh bien justement, cette stèle y fait allusion, puisqu'elle nous dit que finalement les monuments funéraires des rois sont détruits, leurs pyramides sont écroulées, ce qui veut dire que finalement ces tombeaux royaux au début de la 18e dynastie eh bien, étaient constitués de pyramides. Alors, ce n'étaient pas les pyramides de Giza, bien sûr, mais des petites pyramides qui étaient construites en briques de terre crue, recouvertes d'un parement, finalement, qui devait être une sorte de lait de plâtre, si vous voulez, et devant lesquelles se dressaient certainement des obélisques, puisque des fouilles qui ont été faites dans la nécropole de Drahabulnaga ont justement permis de retrouver certains fragments d'obélisques qui se dressaient certainement devant ces pyramides. Alors finalement, ces pyramides, eh bien, on en a retrouvé des traces.
C'est-à-dire qu'on a une mission allemande là, qui travaille depuis un certain nombre d'années, une mission allemande qui dépend de l'Institut archéologique allemand du Caire, qui a en concession justement de Rabun Laga, qui avait pu d'ailleurs identifier les tombes de Amenhotep Ier, de la reine Ahmès Nefertari, et probablement de Thoutmôsis Ier et d'autres rois, et bien Amenhotep Ier aussi. Donc toutes ces tombes là ont été plus ou moins identifiées, localisées, mais on s'est rendu compte que même certains rois antérieurs au Nouvel Empire, c'est-à-dire des rois qui appartenaient à ce qu'on appelle encore aujourd'hui la seconde période intermédiaire, c'est une période, vous savez, où les Hyksos avaient été très présents en Égypte, hein, ces peuplades étrangères qui avaient finalement mis la main sur l'Égypte et puis qui étaient restés quand même finalement près d'un siècle sur place à coloniser un petit peu les lieux. Et bien de cette époque-là, il y avait également quelques tombes qui étaient des tombes pyramidales de ce type-là. Donc voyez-vous, quand le village de Deir el-Médineh a commencé à se mettre en place, on peut imaginer que les premières tombes dont eut en charge les artisans, eh bien, devaient être des tombes qui étaient surtout en relation avec la nécropole de Rabun Laga, plutôt que la vallée des rois ou la vallée des rois. Alors évidemment, ce village, au fil du temps, va se développer, puisque nous avons pu observer, au cours des fouilles qui ont été menées notamment ici par l'Institut français d'archéologie orientale, qu'il y avait eu un développement de ce village au fil du temps. Donc, on a pu considérer qu'il y avait une première enceinte avec des maisons, qui elle était contemporaine du règne de Thoutmôsis Ier, un premier développement de ce village qui semble être contemporain du règne de Thoutmôsis III et qui aurait surtout touché toute une frange, si vous voulez, du village tel que vous l'avez dans son état final aujourd'hui, et une troisième excroissance de ce village à l'époque de Ramsès II, et ça aurait été plutôt, voyez-vous, vers la partie sud que le village se serait développé. Je pense qu'il y a dû avoir un autre développement du village, certainement alors peut-être plus vers le sud, avant même que ce petit temple ptolémaïque se mette en place, à l'époque de Ramsès IV, car si on voit un petit peu comment évolue ce village au fil du temps, non seulement à travers sa topographie, c'est aussi à travers le nombre de familles qui ont occupé ce village. Donc si on sait, parce que là il ne s'agissait pas évidemment de très nombreuses familles, hein, quand je vous parle d'artisans spécialistes, c'est-à-dire que c'était quand même des corps de métier très particuliers. Hein. Donc on sait par exemple qu'à l'époque de Ramsès II, il devait avoir grosso modo une soixantaine de familles. À l'époque de Ramsès IV, on a le double pratiquement. Donc ce qui veut dire qu'il a fallu quand même agrandir le village pour loger justement ces nouveaux habitants. Voilà. Alors quand on regarde bien le plan de ce village, voyez-vous, c'est un village qui a un peu la forme d'un grand bateau. D'ailleurs c'est assez intéressant parce que quand on voit la terminologie qui est associée au village, on parle effectivement d'une partie qui est à bâbord et une partie à tribord. Donc voyez-vous, il y a tout un langage, finalement un langage à connotation fluviale, hein, de ce bateau. On parle d'équipage aussi, voyez-vous, à propos des artisans qui sont en place. Hein. Alors il faut savoir que le roi qui avait choisi ces familles, ces personnages, il s'agissait évidemment non pas d'esclaves, loin de là, hein, absolument pas. Il s'agissait de fonctionnaires royaux, d'hommes libres, à qui Pharaon allait concéder non seulement une maison, mais également une concession funéraire. C'est-à-dire que les personnes qui allaient habiter là étaient logées par le roi, et le roi les pourvoyait d'une tombe. C'était à eux de la préparer, bien sûr, mais enfin, ils avaient leur concession funéraire qui leur était remise. Hein. Voilà. Alors, en contrepartie de cela, bien entendu, ils avaient des devoirs à remplir, et ces devoirs, c'était bien évidemment de participer aux travaux qu'exigeait le roi, et en contrepartie desquels, d'ailleurs, ils avaient aussi un salaire qui leur était versé, qui était une rémunération de décadaire, et sous forme de souvent de victuailles, de repas, ou en tout cas de produits qui leur permettaient de vivre. Alors cette population, évidemment, se trouvait donc résumée dans la partie, voyez-vous, centrale, ici, avec des petites maisons, donc des maisons qui faisaient 60-70 mètres carrés, dans lesquelles il y avait pratiquement l'essentiel, quelques pièces, une terrasse parfois, aussi une cave éventuellement, et c'était là que vivaient les familles, parce qu'il y avait les artisans, il y avait leurs épouses, il y avait leurs enfants, et même éventuellement leurs serviteurs, puisqu'ils pouvaient recevoir bien sûr à la maison des serviteurs pour les femmes éventuellement, etc. Bon. Et alors les artisans, eux, leur fonction, c'était évidemment tous les jours
de la semaine, il y avait des jours de congé, hein, bien entendu, mais les jours de travail, c'était de se rendre dans les nécropoles et puis évidemment d'effectuer les travaux qui leur étaient confiés. Alors, il s'agissait dans un premier temps, évidemment, pour les tailleurs de pierre, il y a de commencer à creuser les tombes, hein, puisqu'il fallait creuser dans ce calcaire, parfois difficilement, parce que les outils de l'époque, c'était soit des pics en silex ou alors encore des outils qui étaient surtout en partie en cuivre, donc c'était un matériau quand même assez lourd, ce qui nécessitait que, évidemment, chaque jour au retour du chantier, eh bien, les forgerons se mettent à l'œuvre pour pouvoir de nouveau bien forger tous ces outils avant que les artisans puissent repartir le lendemain sur le chantier. Donc, voyez-vous, ce travail s'organisait de manière très simple, c'est-à-dire que tous les matins, on partait sur le chantier, on allait travailler à la Combe Royale ou dans la Vallée des Rennes, hein, et puis donc on creusait et on décorait finalement ces tombes qui étaient les futures demeures d'éternité des souverains du Nouvel Empire. Alors toute cette ville finalement fonctionnait apparemment sans trop de problèmes, puisqu'il y avait à la fois le village, il y avait les nécropoles de part et d'autre. Alors il faut savoir que du côté est, voyez-vous, juste en face de vous, et ce grand rempart de Desblais aujourd'hui, c'était là que se trouvait notamment la nécropole de la 18e dynastie. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui elle est complètement remblayée. Ce n'étaient pas les tombes que vous avez vues tout à l'heure, parce que les tombes que vous avez vues tout à l'heure, c'était des tombes ramessides. Donc là, on est dans une époque où on décorait les caveaux, etc. Donc c'était de belles choses. De l'autre côté, c'était plutôt des tombes un peu comme celles que je vous disais, la Vallée des Rennes, des puits, finalement, où on avait parfois des parois qui étaient un peu ravalées. Des caveaux qui étaient même parfois creusés dans la Marne, donc n'étaient pas tellement stables. Donc tout ceci a été largement fouillé, exploré, notamment par Bernard Bruyère, qui est donc un égyptologue français. C'est lui qui avait pris en charge ce site en 1922 et qui a pu y travailler jusqu'en 1951. Ça a été le découvreur finalement de Derrière-Milé, car c'est grâce au travail prodigieux qu'a mené Bernard Bruyère sur ce site finalement que vous pouvez voir aujourd'hui réapparaître ce village. Alors voyez-vous, ces maisons étaient construites aussi. Alors donc oui, pour terminer l'écropole, donc l'écropole 18e dynastie, voyez-vous, qui était donc sur la face est, et puis donc la face ouest ici de la montagne, c'était réservé aux nécropoles, donc qui étaient celles de la 19e et 20e dynastie, puisque c'est à la fin de la 20e dynastie que ce village, en gros, s'éteint. Hein? Alors, durant ces siècles, finalement, eh bien, ces artisans ont mené... Alors, c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous avez là le premier exemple, peut-être, de village que l'on pourrait dire fortifié. Mais au Moyen-Âge, chez nous, on avait des villages fortifiés. Et ici, on en a un modèle, alors, qui remonte à près de 3000 ans, voyez-vous, à Jésus-Christ, puisque vous aviez une enceinte qui protégeait ce village, voyez-vous, il était fermé par toute une enceinte, hein, et vous aviez une porte à l'autre extrémité, parce que la porte d'accès se trouvait là-bas, vous voyez la barrière d'ailleurs, cette grande barrière qui est là-bas, qui était l'accès au village, et alors cet accès était gardé, bien entendu, il y avait des gardes qui étaient là, des gardiens de porte, hein, qui voyaient donc les gens qui venaient et partaient du village. Alors seuls vivaient dans le village, bien entendu, les artisans. Hein, c'est-à-dire ceux qui avaient, à qui Pharaon avait remis une maison. Hein. Il y avait toute une population certainement externe qui était en connexion avec ce village. Quand je vous parlais tout à l'heure des forgerons, ben les forgerons ne vivaient pas à l'intérieur du village, mais étaient à l'extérieur. Comme d'ailleurs les médecins, comme d'ailleurs les cordonniers, tout un corps de métiers, si vous voulez, dont on avait utilité dans le village, mais ces gens-là ne vivaient pas dans le village. Hein. Alors, il fallait bien entendu approvisionner les villages, par exemple, en eau, hein, parce qu'il n'y avait pas d'eau à la disposition. Donc, on avait à ce moment-là toute une série de porteurs d'eau, parce que souvent c'était des ânes, hein, qui faisaient des navettes pour alimenter finalement le village en eau. Hein. Alors, ce village, finalement, il a vécu sans trop de difficultés, avec bien entendu les petites histoires des uns et des autres, hein, comme dans toutes les familles. Hein, il y a parfois les voisins, on ne s'entendait pas toujours très bien ensemble, tout ça. Alors, il fallait bien gérer les conflits, parfois. Bon, alors, ces conflits, comment les gérer-t-on? Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que, en fait, ce village, il y avait un patron, un saint patron qui le gérait, et qui était, en fait, Amenhotep Ier. Vous savez que Amenhotep Ier et sa mère Ahmès de Farfari étaient des personnages qui avaient été sanctifiés parce qu'ils avaient fait des actions absolument extraordinaires durant leur règne. Hein, on aimait beaucoup la reine Ahmès de Farfari. Il faut savoir que la reine Ahmès de Farfari, elle a été vénérée jusque presque à la troisième période intermédiaire. Hein. On avait une grande admiration pour le travail qu'elle avait fait, cette reine. Et puis son fils, Amenhotep Ier, qui semble avoir été un roi de grande qualité, eh bien les artisans de Derrière-Médinet
leur rendait un culte. Le petit sanctuaire de Ptah, les Seigneurs dont je vous parlais tout à l'heure dans la Vallée des Reines, était aussi associé au culte de d'Amenhotep Ier. Et dans ce village, il y avait un tribunal, et le tribunal, finalement, l'oracle, le résultat des sentences, était justement donné par l'oracle d'Amenhotep Ier. Alors, quand il y avait un conflit entre villageois, eh bien, on le traitait au tribunal du village, et c'était l'oracle d'Amenhotep Ier qui allait décider qui était finalement celui qui devait être puni ou celui qui finalement devait recevoir des indemnités. Enfin, voyez-vous, ça s'organisait comme cela. Alors, tout ceci pour vous dire que, alors, il n'y avait pas, semble-t-il, là aussi, il y avait des enfants, des femmes. Les femmes étaient au village, elles avaient évidemment des tâches ménagères à gérer, elles avaient l'entretien, elles avaient la cuisine, elles avaient beaucoup de choses à faire, ou à tisser les vêtements parfois, etc. Les enfants devaient en principe aller à l'école, surtout les garçons. Alors c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé d'école au sein du village. On n'a pas retrouvé d'école. Alors où étaient éduqués les enfants de ce village? Alors est-ce qu'ils avaient un enseignement qui était un enseignement de père à fils, ce qui n'est pas impossible? Ou est-ce qu'il y avait des scribes de l'école qui venaient donner des cours à ce moment-là dans certaines familles, donc c'est-à-dire des cours particuliers, ce qui n'est pas impossible parce qu'on a souvent retrouvé dans le contexte de ces maisons, eh bien, des ostracas qui étaient plutôt des exercices d'écriture, etc. Donc on pourrait laisser supposer quand même que les enfants apprenaient en tout cas à écrire et à lire. Hein. Et parfois même d'ailleurs sur le chantier, avec leur père, parce que vous savez, je vous disais tout à l'heure, qu'on a retrouvé des petites, des hameaux dans les nécropoles, que ce soit dans la vallée des Reines ou dans la vallée des Rois, ce qui laisse supposer que les artisans de la Reine-Médinée ne rentraient pas régulièrement au village, parfois ils restaient sur leur chantier, ils passaient la nuit entre compagnons sur le chantier, et puis parfois ben, les enfants les accompagnaient. Alors s'il y avait des enfants qui les accompagnaient, eh bien, il pouvait y avoir un scribe du père Hor, c'est-à-dire de la maison de vie, c'est ainsi qu'on appelait l'école dans l'Égypte ancienne, la maison de vie. Eh bien, un scribe du père Hor qui accompagnait finalement les travailleurs sur le chantier, et puis qui, pendant que les travailleurs étaient à leur tâche, eh bien, les enfants pouvaient à ce moment-là recevoir quelques rudiments d'éducation de la part du professeur qui était dans le lot de ce groupe. Je vous explique. Oui. Amenar, c'est le père. Nemenmat, c'est le fils. Et Hamet, Ter, s'il n'y a pas de vie à la fin, et le petit-fils. Alors, Amenat a fait l'entrée. Cette entrée, il y a une salle d'accueil. Et après, il y a les trois endroits où on mettait les trois chambres funéraires. Deux dans ce sens et l'autre tourné vers le nord. Ce que vous voyez au-dessus avec les portes fermées a été rebâti au temps de Bruyère et c'était les chapelles de culte. C'est-à-dire qu'une fois que l'enterrement avait été fait, on allait porter les offrandes aux morts là. Et normalement, il y avait un pyramidion comme vous avez sur la tombe à côté qui était au-dessus. Et il devait être construit par Bruyère et puis après ils ont fait autre chose, ils ne l'ont pas fait. Alors, la première tombe, celle d'Amenar, est polychrome, c'est-à-dire que vous avez les scènes classées que je vous expliquerai en gros en bas, donc qui était le style de son époque à lui. La tombe du fils, elle, est monochrome. Monochrome, ils appelaient ici les tombes monochromes, les tombes qui étaient en trois couleurs en fait, blanche, jaune et noire, ce qui donne un effet un peu de 3D. Et celle du petit-fils n'a pas été terminée. D'ailleurs, on voit que abîmé et pas terminé, et on voit que le style était différent parce que c'était encore une génération de plus. Alors, comme c'était les premières au début de la 19e dynastie que c'est descendu dans les âges, plus la dynastie s'est avancée dans les Ramsès, plus le style s'est un petit peu perdu, les artistes étaient un peu moins forts, un peu moins doux. Et ça se voit typiquement là. Attention à la terre.
Donc là, vous êtes chez Amenma. Je vais attendre que les vitres arrivent. Je sais pas comment il y en a. Attention, hein. Oui. Et attention de ne pas toucher les murs parce qu'il y a plein de choses sur les. Ça, c'est magnifique. Alors, ça, je vais commencer par ça, parce que tu vas poser la question. Oui. Alors, c'est la montagne Thébaine, qui, normalement, on ne voit pas, mais elle est en forme de pyramide. Et de la montagne Thébaine sort Hathor avec le soleil d'Horus, parce que Hathor est aussi déesse de l'Occident, de la résurrection, quoi, de la montagne. Dessous, vous avez un Horus et un Ayuja, qui font aussi partie de la résurrection, qui sont juste derrière Osiris. Et là, vous avez tout simplement un petit dieu qui porte de l'encens. Mais normalement, ça commence par là. Le mort arrive par là, accueilli par le babouin, là, qui est une représentation du dieu Thoth. Donc, il arrive naturellement par la voie des flots, parce que ici, toute la ville, tout se fait par les flots. Il rentre, il se purifie dans les eaux. C'est un palmier d'Oum, et il se purifie dans les eaux. Sa femme est dernière. Ce qui est exceptionnel dans cette tombe-là, c'est que de ce côté, c'est sa femme qui se purifie aussi. Et qui, là, ça fait partie de l'autre scène, si vous voulez, continue par là, qui est aussi, elle, sous un palmier dattier. C'est l'homme qui a droit au palmier d'Oum. Au-dessus, vous avez encore une représentation d'Hathor, avec le colimélin et le contrepoids derrière, avec devant une pétrification d'Horus, qui est en fait Sokar. Sokar est aussi un dieu de la résurrection. Et là, tous les dieux qui les accueillent. De ce côté, vous avez Ptah, derrière, vous avez Thoth. Là, c'est encore, les dieux, si je ne peux pas lire, là, c'est encore Thoth. Là, c'est Neftis. Là, vous avez Képer, le dieu du lever du soleil. Là, c'est Chou, celui qu'on appelle le dieu de l'air. Là, c'est, je ne sais pas qui, je ne vois plus où est le nom, je suis complètement perdue, je crois que c'est Ptah Patat. Là, c'est un des enfants d'Horus, et là aussi, c'est un des enfants d'Horus. Voilà, alors là, on est dans la chambre d'accueil qui sert pour les trois chambres funéraires. Alors, attention à la tête. Défunt et son épouse, qui, je ne sais pas si vous connaissez les nouveaux là, le code funéraire qui est sur la tête. Les codes funéraires, c'est un truc qui sent bon, c'est pour permettre de s'assimiler aux dieux, parce que les dieux étaient en or et sentaient bon. Donc les codes funéraires servent à ça. Alors là, il y a toute la vie du bonhomme, plus ce qu'on appelle les confessions négatives, c'est-à-dire je n'ai pas fait, donc ce qui permet d'arriver dans l'éternité. Là, vous avez un Horus qui l'accueille sur le temple, c'est la figuration du temple. Là, c'est la scène, en principe, on passe d'un côté à l'autre. De ce côté, il y a aussi des confessions négatives avec les dieux qui sont représentés sans leur nom mais qui figurent, il y a l'Ogdoad, etc., les dieux primaires d'Héliopolis et ils sont qui font partie des dieux juges. Donc c'est eux qui acceptent l'entrée du défunt dans le monde de l'au-delà. Alors de ce côté, il y a la momification avec un magnifique Anubis. Remarquez aussi le lit de momification à tête de lion qui est magnifique, avec de chaque côté du dieu, puisque là nous sommes dans le monde, c'est Anubis qui possède la momification, mais nous sommes dans le monde d'Osiris. Vous avez d'un côté Neftis et Isis, qui figurent toujours aux côtés d'Osiris. Neftis étant son épouse, Isis étant son épouse et Neftis la belle-sœur. De ce côté, vous êtes au paradis. C'est le monde d'Ilaou. C'est-à-dire qu'il représente pour l'éternité ce qu'il fait dans la vie courante. C'est-à-dire qu'il faisait ce qui est nécessaire à la vie courante. On fauche les blés, on ressème derrière avec les petits sacs que la dame a récoltés, là, des blés qui étaient jetés, avec le Nil, bien sûr, qui passe partout,
une figuration de la barque qui permet le transport, des petits lacs qui vous montrent l'irrigation, et tout ce que vous voyez comme ça, c'est le Nil. C'est la réservation ne peut se faire que par tout ce qui est liquide, que ce soit le crachat, le lait, l'eau, le sperme, c'est ce qui permet à faire naître à la vie, ce qui donne à la vie. Bon, le plafond décrit de ce côté aussi tout ce que monsieur a fait. Et là, il rentre enfin dans l'âme droite, dans le monde de l'au-delà. Et vous avez au-dessus les quatre enfants d'Horus qui sont dans le stellaire. Là, hein. Quand vous avez les petites étoiles comme ça, c'est le ciel. Le monde de l'âme droite qui est assimilé là au ciel. Voilà. Merci. Alors celle-là est polychrome. Alors on va merci dans le sein du fils. Merci. Oui, bah merci papa. Je là, le style est totalement différent. On voit ce que je vous disais tout à l'heure dehors. C'est monochrome. Ils appellent ça monochrome. En fait, il y a trois couleurs. Enfin, il n'y a pas de couleur vive. Il y a le noir. Bon, il y a l'ocre aussi, le jaune et le blanc. Ce qui donne un aspect un peu plus... Un peu 3D suivant comment on le regarde. Alors là, vous avez au-dessus Nephthys avec les ailes qui accueille le défunt qui est rentré par là. Il y a Anubis qui l'accepte dans la chapelle. Un prêtre qui fait une offrande. Tout à l'heure, Christian a parlé. C'est le bras Aïn, là. C'est de l'encens avec, qui brûle au-dessus. D'habitude, on voit les petits trucs d'encens qui vont. Et c'est le bras Aïn ou le bras d'Horus. Après, le défunt, sous forme de prêtre, arrive avec son épouse devant le dieu qui est en fait tutélaire du site qui a été déifié ici parce que c'était le patron de celui qui a créé les artisans. C'est Amenhotep Ier qui est suivi de je ne sais quel dieu et de sa mère. À la fin, qui a été aussi déifiée ici, à Metz-les-Fertari. En dessous, vous avez une scène très célèbre, qui est la scène du Sénèd, qui est aussi dans la tombe de Nefertari, et qui ouvre, si vous voulez, les portes aussi de l'au-delà. Et derrière, vous avez la représentation du sycomore avec les bras de la déesse du sycomore avec deux aiguillères qui donnent la vie par le liquide au bas, à l'âme, au bas du défunt et au bas de son épouse. Good. Merci, je suis contente de votre félicitation. De ce côté, alors il y a toute la présentation au dieu là. Là, c'est la momie, en fait, le défunt qui sort de la chapelle. Bon, là, c'est Ptah Sokar, là, c'est Ptah Tukur, là-bas, c'est Thoth. De l'autre côté, vous avez Nephthys. En dessous, la présentation, là, c'est la présentation du défunt à Osiris. Là, c'est aussi la présentation du défunt à Réorati et à Sermet. Là-bas, je ne sais pas qui, parce qu'on ne le voit pas. Et là-bas, c'est Anubis qui amène le défunt à Osiris et à Mat, de ce côté. Le sarcophage est là, avec des gens qui le tirent, avec des pleureuses. Certaines sont des pleureuses professionnelles et d'autres sont des pleureuses qui font partie de la famille, en fait. Ce sont les vraies accompagnatrices du défunt, la vraie famille. Là, c'est un prêtre, Sem, qui procède à l'ouverture de la bouche des deux momies. Il est peu vraisemblable que l'homme et la femme soient décédés en même temps, mais c'est lui qui procède, on met les deux en même temps, et qui procède à l'ouverture de la bouche. Alors, si vous remarquez, vous voyez là la pyramide, avec une petite porte là, et bien ça veut dire qu'elles vont rentrer dans la tombe, les deux momies là, et elles sont accueillies directement, juste après leur entrée, par la déesse Hathor, dont je vous ai parlé dans l'autre tombe, qui tient le soleil et la vie entre les croix de vie, et qui sort de la montagne Thébaine pour les accueillir. J'ai pas l'habitude hein, de faire grouper. Là, c'est la momification avec Anubis qui a dans sa main
l'outil d'ouverture de la bouche, avec tous les vases dessous qui vont contenir certains liquides de momification et des liquides prêts pour la momification. De ce côté... De ce côté, ce sont des scènes d'offrande du banquet funéraire. Tout ça, ce sont les invités qui ont participé au banquet funéraire et qui font... Qui offre des choses aux deux défunts. Alors, il y a tous les membres de la famille qui sont cités au-dessus, les copains, les amis, etc. Je vous évite ça pour le moment. Et donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont les divers dieux qui aident le défunt à aller dans l'au-delà. Vous remarquerez que dans cette tombe, contrairement à l'autre, il n'y a pas les jardins d'Ilaou. Voilà. Au milieu, en principe, on donne tous les titres du défunt, tout ce qu'il a fait dans la vie active. Bon, la dernière sera rapide. Il semble bien, si vous voulez, que dans l'ensemble, tout s'est bien passé pendant quand même pas mal de temps, jusque... finalement, sous le règne de Ramsès III, puisque là, on rejoint un petit peu les événements que j'évoquais dans la vallée des Reines tout à l'heure, qui sont ceux, finalement, des difficultés économiques que connaît la région, et notamment le pouvoir royal, à la fin du règne de Ramsès III. Alors, c'est vrai que, jusqu'à l'époque de Ramsès III, tout semble bien marcher, hein, puisqu'on a des comptes rendus qui sont donnés sur les travaux qui sont menés, des livraisons aussi, par exemple, de sel au village. Alors ça, c'est surprenant, parce qu'on s'est rendu compte, parfois, que on avait une richesse de sel dans ce village considérable, on ne savait pas à quoi ça pouvait servir. C'est vrai qu'on disait, mais pourquoi il y a tant de sel qui arrive sur les reines méditerranéennes? Mais c'était tout simplement parce que, vous savez que, quand on travaillait dans ces tombes, il fallait bien utiliser des lampes à huile. Et il en fallait une production considérable. Quand vous voyez les tombes royales, ces profondeurs sous la terre, il fallait des centaines de lampes pour éclairer les lieux au moment où on travaillait, où notamment on décorait les parois avec les couleurs, il fallait quand même avoir une très bonne clarté. Alors si on mettait ces lampes à huile comme ça, eh bien ça ne faisait qu'enfumer. Et alors c'était terrifiant parce que ces pauvres hommes ne pouvaient pas rester très longtemps dans le contexte des structures souterraines. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'en ajoutant du sel mêlé à l'huile, il n'y avait plus du tout de commandement. Donc c'est ce qui explique, si vous voulez, les livraisons de sel qu'on avait sur des reines médinées. C'est-à-dire qu'on préparait les mèches avec de l'huile, avec le sel, tout ça, et puis tous les matins on emportait toutes ces lampes dans la vallée pour pouvoir éclairer les tombes, et tout fonctionnait sans difficulté. Voilà. Alors bien entendu, jusqu'au règne de Ramsès III, eh bien, on a creusé les tombes, on les a décorées, on a fait d'ailleurs de superbes tombes dans les entrailles de la montagne Tébel, pour tous ces souverains que vous devez en dire. Et puis quand commencent à arriver les difficultés, en l'an 29 de Ramsès III, c'est vrai que là les artisans commencent à s'inquiéter parce qu'ils travaillent, ils continuent de travailler, hein, ils continuent de creuser des tombes, aussi bien princières dans la vallée des Reines, de Reines aussi, que de rois dans la vallée des Rois, et on n'a plus à ranger. Alors c'est vrai que là on s'inquiète, on commence à s'inquiéter, on fait des grèves, première grève documentée de l'histoire que j'ai réalisée tout à l'heure, et non seulement on fait des grèves, on va finir par aller même plus loin, c'est qu'on va aller jusqu'à faire des manifestations. On va manifester près des fameux temples de millions d'années. Alors ces temples de millions d'années, vous savez, c'est ce qu'on désigne un petit peu de manière un peu caricaturale sur la rive gauche comme étant les temples funéraires. Il faut savoir que ces temples funéraires, finalement, étaient des sortes de satellites du pouvoir royal, étaient en fait des satellites à la fois cultuels, bien sûr, liturgiques, mais qui avait aussi une vocation administrative et économique. C'est-à-dire, c'était en quelque sorte des redistributeurs de richesses, finalement, de la couronne vers la population locale, et surtout cette population qui était au service du roi. Donc à partir du moment où dans ces temples, évidemment, les magasins sont vides, il n'y a plus rien. Donc les artisans, dans un premier temps, après avoir fait des grèves, bon, avoir reçu quelques palliatifs, se sont mis au travail, et de nouveau, on s'aperçoit qu'il n'y a plus rien. Là, on va plus loin, donc on va jusqu'aux portes des temples pour essayer quand même d'alerter, en tout cas, le gouverneur de ces temples, parce qu'il y avait un gouverneur dans ces temples qui représentait le roi, qui faisait fonctionner la maison, hein, et essayer de comprendre un petit peu pourquoi il n'y a plus rien.
Alors évidemment, le temps s'écoulant, on s'aperçoit que cette crise finalement économique qui va déboucher sur une crise sociale fait que ces artisans affamés, ne pouvant plus manger, eh bien vont s'en prendre directement à Pharaon à travers cette ombre. On va commencer le pillage. Donc les artisans de Derenidé qui auront été ceux qui les auront creusés, qui les auront préparés, qui les auront décorés, ben finalement seront ceux qui vont aussi les profaner et les piller. Alors c'est à ce moment-là qu'on apprend aussi à travers l'histoire du village, eh bien que les artisans, évidemment, sont considérés comme des coupables de d'effraction de tombes, sont coupables de vol. Certains ont même caché dans les caves de leur maison des parties d'objets qu'ils ont prélevés dans les tombes royales au moment de leur violation. Ce que retrouvera Bernard Bruyère beaucoup des siècles après, puisqu'en dégageant le village, il a eu l'occasion de retrouver parfois enterrés sous des caves des morceaux de bois doré qui relèvent finalement de vestiges de mobilier funéraire royaux. Hein. Donc voyez-vous, ce village, finalement, à la fin de la 20e dynastie, est en train de sombrer petit à petit. Et c'est vrai que, disons, quand arrive le règne de Ramsès IX, Ramsès X et Ramsès XI, on peut se considérer qu'il va être pratiquement abandonné de ses habitants, qui n'auront d'ailleurs plus de travail non plus, puisque le pouvoir royal, à ce moment-là, s'effondre. Ce sont les prêtres d'Amon en face qui vont prendre le relais. Et là, c'est très important parce qu'on va passer dans un autre type de royauté en Égypte, vous savez. En Égypte, on était dans une véritable théocratie. Parce que Pharaon était roi, mais il était aussi prêtre. Il avait ces deux fonctions essentielles, roi et prêtre. C'est-à-dire qu'il gérait tout ce qui était l'aspect politique, mais il était également le premier pontife du royaume, c'est-à-dire que tout l'aspect religieux était entre ses mains. D'ailleurs, si vous remarquez bien, dans les temples, vous ne verrez jamais un prêtre exécuter des offrandes devant un dieu, c'est toujours Pharaon qui le fait, qui l'accomplit. Alors bien sûr, Pharaon ne peut pas être dans tous les temples à la fois, donc il va déléguer son pouvoir à des prêtres, mais en revanche, dans l'iconographie, c'est bien lui qui fait savoir que c'est moi le patron. Vous n'êtes que mes subordonnés et vous effectuez le culte à ma place, mais en tant que subordonnés. Donc vous êtes bien dans une royauté qui est une royauté théocratique où le roi a un pouvoir politique et un pouvoir religieux. Lorsque cette monarchie-là va s'effondrer à la fin de la 20e dynastie, que les prêtres d'Amon de Karnak vont monter sur le trône, vont prendre le pouvoir, là on va se retrouver devant un inversement de la situation, puisque là ce sont des prêtres qui vont devenir rois. Alors c'est sûr que ça entraîne, si vous voulez, une modification assez importante de ce qu'était jusque-là la royauté égyptienne. Alors ces prêtres, évidemment, qui deviennent rois, vont prendre en main les affaires du royaume et vont ici, à Thèbes, commencer à remettre dans l'ordre, de l'ordre dans ces affaires du royaume. C'est-à-dire qu'après cette crise d'anarchie, après cette crise des valeurs, où tout le monde finalement a profané, parce que quand je parle des artisans, bien sûr que les artisans ont profané les tombes, mais n'étaient pas les seuls. Il y avait les policiers, il y avait les administrateurs, il y avait tout un tas de fonctionnaires locaux sur la rive gauche qui en ont profité. Donc il y a eu une corruption généralisée finalement qui fait que ces tombes n'ont pas été simplement le fait des artisans. Donc il fallait bien remettre de l'ordre dans les affaires. Donc c'est le premier travail que vont engager les prêtres d'Amon. Et c'est vrai qu'à travers les derniers habitants de ce village, ils vont les récupérer, ils vont les transférer vers un autre centre, qui sera le centre de Medinet Abou, là où nous allons demain. C'est là que vont vivre les artisans de Derenidé pendant un certain temps. Ils seront mis à ce moment-là au service des grands prêtres d'Amon, puisque donc c'est des grands prêtres d'Amon pour lesquels ils vont travailler. Et ils seront certainement amenés d'ailleurs aussi à devoir restaurer tout le matériel funéraire parce que les grands prêtres d'Amon vont quand même prendre soin de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, voyant que toutes ces tombes avaient été pillées, eh bien on va sortir les momies royales de ces tombes, enfin dans l'état où elles étaient, parce qu'elles étaient bien abîmées, parce qu'il faut savoir que les pillages, quand ils se sont faits, vous savez, ça a duré parfois des mois et des mois, ces pillages, hein, c'était pas l'affaire d'une journée ou deux. C'est-à-dire qu'on entrait dans une tombe,
quand on voit tout ce qu'il y avait dans ces tombes, le trésor funéraire, quand vous voyez ce qu'était le trésor funéraire de Toutankhamon, bon, c'était un roitelet. Bon, imaginez un Ramsès II, imaginez un petit peu tous ces grands rois du Nouvel Empire, de l'époque ramesside. C'était des trésors énormes qu'il y avait dans ces tombes, bien entendu. Alors, ça nécessitait des mois pour des artisans qui devaient petit à petit savoir ce qu'ils allaient prélever de ces tombes, surtout qui pouvaient être intéressant pour eux, parce qu'il fallait prendre des choses qu'on pouvait commercialiser, qui pouvaient être transformables. Il ne s'agissait pas de sortir des choses comme ça. Donc le bois, on n'avait pas de bois en Égypte, c'était important d'aller chercher du bois. L'or, alors bien entendu, toutes ces chapelles qui étaient dorées, ces sarcophages en or, etc., vous allez voir comment on pouvait les transformer, etc. Bon, il y avait ensuite, bien entendu, toutes les denrées ou tous les produits précieux qui étaient dans ces tombes. Donc ça a pris un temps considérable. Et puis quand on arrivait, bien entendu, sur le sarcophage royal, là, c'était la pièce maîtresse, le tribut essentiel. Il fallait déjà ouvrir le sarcophage en granit, très souvent, donc on le fracassait, bien entendu. Une fois qu'il était fracassé, on arrivait au sarcophage qui était en métaux précieux. Et puis ensuite, à la momie. Et on savait très bien que cette momie, elle était enveloppée de bandelettes, mais qu'entre les bandelettes, il y avait des amulettes en or, il y avait des bijoux, il y avait etc. un tas de choses. Donc il a fallu arracher les bandelettes pour essayer de récupérer finalement tous ces trésors. Alors ça veut dire que lorsque les grands prêtres d'Amon ont entrepris les fameuses commissions d'enquête que j'évoquais dans la vallée des Rennes, ils se sont trouvés face finalement à un véritable carnage. C'est-à-dire que quand ils ont pénétré dans ces tombes, ils se sont trouvés devant des choses complètement dévastées, des momies qui avaient été complètement très souvent déchiquetées, ou en tout cas toutes les étoffes de momification étaient déchiquetées. Donc il a fallu sortir ces corps qui étaient quand même, c'était les pharaons, c'était quand même des êtres sacrés. Je veux dire que là, c'était plus qu'une vindicte, c'était un sacrilège qui avait été commis, quand même, un véritable sacrilège. Donc il fallut recenser toutes ces momies, les sortir des tombes petit à petit, les comptabiliser, les mettre en lieu sûr, et puis aussi procéder à leur, finalement, à leur remomification. Essayer de voir comment on pouvait de nouveau essayer de les remettre un petit peu en ordre avant de pouvoir les placer dans un endroit plus sûr. Hein. Ça, c'était un travail qui a demandé énormément de temps, comme d'ailleurs le mobilier funéraire qui avait été saccagé, mais qui parfois était resté dans le contexte des temps, mais il a fallu le restaurer, afin de pouvoir éventuellement même réinhumer les rois ou les reines dans leur sarcophage. Alors tout ce travail-là a pris énormément de temps, et puis à un moment donné, bien, quand ça a été réalisé, grâce à toute cette institution qui s'était mise en place à Medinet Abou, c'est-à-dire les grands prêtres d'Amon avec tous les artisans qui restaient de Derenmine et qui avaient été mis à leur service, eh bien on a procédé à une réinhumation de tous ces souverains dans des lieux plus sûrs qui sont finalement des sortes de cachettes. Vous savez que ces cachettes, on les a retrouvées. D'abord la première en 1871 dans le cirque, à côté du cirque de Derenbari. Une cachette royale, qui était une sorte de puits assez profond qui donnait accès à des chambres, dans lesquelles on a retrouvé une quarantaine de souverains du Nouvel Empire, hein, dont bien sûr les momies de Séti Ier, de Ramsès II, ou d'autres plus anciennes comme celle de Thoutmosis III, etc. Et puis une deuxième cachette qui a été retrouvée alors un peu plus tard en 1898, alors celle-là aménagée dans une tombe de la Vallée des Rois qui était la tombe d'Amenhotep II, dans une des annexes de la tombe d'Amenhotep II, c'est Victor Loret, un Français, qui était à l'époque directeur de l'Institut français d'archéologie orientale, qui a fait cette découverte et qui a permis de compléter finalement un petit peu tous ces rois et reines qui venaient en tout cas de ce secteur de la nécropole. Donc on a pu récupérer tout un ensemble de rois et de reines qui ont été identifiés et qui se trouvent aujourd'hui, dans les momies, se trouvent aujourd'hui au musée du Caire. Alors ça ne réglait pas d'ailleurs tous les problèmes, parce qu'il faut savoir que si on avait pu éventuellement identifier ces rois, ces reines qui avaient été inhumés à Drabulnaga et dans la vallée des rois, il manquait à l'appel les princes, princesses et reines qui avaient été inhumés dans la vallée des rois. Et c'est ce qui nous a conduit jusqu'à aujourd'hui à penser qu'il existe encore probablement une troisième cachette qui n'a pas été retrouvée et dans laquelle doivent probablement être placées des momies, bien sûr, reconstituées, protégées, qui seraient celles des reines, des princes et princesses qui avaient dû être enterrées. Car quand on regarde bien les commissions d'enquête qui se sont déroulées à la fin du Nouvel Empire,
non seulement ont touché Drabunlaga, la vallée des rois, mais aussi la vallée des reines. Ce qui veut dire que les mesures qui ont été prises par les grands prêtres d'Amon ont été les mêmes pour les trois nécropoles. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, à travers tous les travaux qui ont pu être menés, les études qui ont été menées sur les corps de tous ces souverains qui ont été retrouvés dans la cachette de Deir el-Bahari et dans la tombe d'Amenhotep II, nous savons qu'il manque un certain nombre de reines et de princes. Regardez, notons simplement la reine Néfertari, la grande épouse royale de Ramsès II. Elle avait sa tombe dans la vallée des reines. On en a parlé tout à l'heure. Lorsque Schiaparelli l'a retrouvée en 1904, eh bien, c'est peut-être la seule tombe de la vallée des reines qui n'avait pas été réutilisée après son pillage antique. Ça, c'est intéressant. Parce que toutes les autres tombes avaient été réutilisées. Celle-là, non. Donc elle avait dû être masquée à un moment donné, et puis on l'a oubliée, elle a été perdue. Quand Schiaparelli retrouve cette tombe, il pénètre dans des lieux qui n'ont pas été touchés depuis la fin de la 20e dynastie. C'est-à-dire qu'il voit devant lui les restes du pillage, finalement. Il a le sarcophage fracassé de Néfertari. Il a des jarres qui sont cassées à ses pieds. Il retrouve des chawaptis sur le sol. Un tas d'éléments un petit peu à droite à gauche. Et puis un tas charpie de linceul, si vous voulez, de bandelettes, finalement, qui devait appartenir à la momie de Néfertari. Et dans ces linceuls, dans ces tissus, il retrouve deux fragments qui auraient été les rotules, finalement, de Néfertari. Mais il ne retrouve pas la momie de Néfertari. Elle n'était pas là. Ce qui veut dire qu'elle a dû être emportée à ce moment-là par les prêtres d'Amon, comme certainement les autres reines et les autres princes ou princesses qui avaient été élus là, pour être pratiquement restructurée, pour être ensuite placée en un lieu plus sûr que nous n'avons pas retrouvé jusqu'à là. Ça fait des loups. C'est une des énigmes de l'archéologie égyptienne qui n'est toujours pas résolue et qui n'est pas facile à résoudre parce que où est-elle cette cachette ? Vous savez, on ne peut pas s'amuser aujourd'hui à chercher comme ça dans le vent. Hein. Quand on fait des recherches archéologiques aujourd'hui, on a un programme spécifique, on a quand même des objectifs qui sont tracés. Alors vous savez, quand on regarde de quelle façon a été retrouvée, par exemple, la première cachette royale, ce ne sont pas des archéologues qui l'ont trouvée, ce sont des habitants de Gourna. Et en se promenant dans la montagne, on a vu qu'il y avait une sorte de bassin comme ça, assez naturel, qui se destinait dans la montagne. On dit, tiens, là, ça pourrait être une tombe. Ils ont retiré les déblais, puis ils sont descendus dans un puits assez profond, qui descendait quand même jusqu'à 17 mètres de profondeur. Et là, ils ont retrouvé finalement la caverne d'Ali Baba, parce qu'ils ne l'ont pas dit, bien entendu. Ils ont gardé ça secret pendant un certain temps. La fameuse famille de Mohamed et Ahmed Abdelrasoul. Hein, c'est célèbre de la rive rouge de terre. Ils ont retrouvé finalement cette tombe en 1871. Et ce n'est que 10 ans plus tard, 1881, que les égyptologues interviennent. C'est-à-dire qu'à cette époque, vous savez, nous avions Gaston Maspero, un français bien sûr, qui était directeur du service d'antiquité au Caire, et qui voyant sur le marché des antiquités au Caire des objets à consonance royale, des cartouches de Ramsès II, des noms prestigieux de rois, se dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça, c'est des objets funéraires de rois. Ça vient de Thèbes. Donc il y a quelque chose à Thèbes. Il y a quelque chose qui a été trouvé à Thèbes. Alors il envoie son collègue Brouche finalement à Thèbes. Et c'est heureusement une histoire de dispute familiale entre les frères Abdelrasoul qui a permis finalement de découvrir le poteau rose et de savoir que finalement c'est eux qui avaient retrouvé cette fameuse cachette. Alors en 1881, c'est-à-dire donc 10 ans plus tard, Maspero arrive à Thèbes, se fait prendre en photo devant l'entrée du puits où se trouvent toutes ces momies royales, et il faut dire que c'est pas lui qui a trouvé la tombe, c'était la famille d'Abdelrasoul. Ceci pour conclure que finalement ça a été une des plus grandes découvertes aussi de l'archéologie finalement en Égypte, puisque ces momies royales, bien, vous pouvez aujourd'hui les voir au musée du Caire, et l'une d'elles est d'ailleurs même venue jusqu'à Paris, puisqu'en 1976, vous savez que c'est la France qui a permis, par ses laboratoires, par ses technologies, eh bien, de pouvoir traiter la fameuse momie de Ramsès II. Donc, un roi qui nous est très cher, puisqu'en 1976, vous savez que Madame Desroches-Audelecourt lui avait consacré une très belle exposition au Grand Palais.
On fait venir en 1977 Ramsès II avec un passeport, parce qu'il a fallu lui faire même un passeport pour venir en France. Ah, il a eu un passeport, Ramsès II. Voilà. Donc, il est venu en France pendant 6 mois, donc se faire traiter, notamment par le laboratoire des recherches nucléaires de Saclay. Et puis ensuite, il a regagné le Caire avec les honneurs militaires, bien entendu, parce que c'était un souverain défunt qu'on accueillait en France, donc il a été reçu à l'aéroport du Bourget avec la garde républicaine. C'était d'ailleurs Madame Alice Saunier-Céité, qui à l'époque était notre ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est venue accueillir Ramsès à l'aéroport du Bourget. Il a été traité en France, il est rentré et il est aujourd'hui en bonne santé. Il se trouve donc au musée du Caire, donc tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Alors vous comprendrez bien qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on a travaillé aussi pendant des années dans la vallée des Rennes autour de la famille de Ramsès II, hein, de Néferdaï, mais de sa mère aussi, de ses reines, bien entendu. Et demain, bah, vous verrez demain le temple de millions d'années de Ramsès II, donc un beau monument également, dans lequel on travaille depuis maintenant 25 ans, ainsi que dans la tombe du roi, qui celle-là, malheureusement, je ne peux pas vous la faire visiter parce qu'elle est en mauvais état et elle est en cours de travaux. Mais ce sont deux chantiers sur lesquels bien, la France est toujours très active aujourd'hui. Alors, si vous voulez maintenant, je vais vous conduire sur le temps, 4h30, on fait un petit saut rapide, le petit temple de Hathor Maat, de l'époque ptolémaïque. Ça va ? Oui, bonne idée. Oui, oui, oui. Parce que là, c'est important, ça. Hein. Et nous avons assisté à une conférence à Lille. Ah oui, bah, je vais y venir à Lille en 2017. Là. Oui, je viens faire une conférence parce que Belzoni, je suis. Voilà, c'est ça. Intéressant, c'est dans le, sur le site. Ah oui, bah ça, quand on est sur les sites, c'est bien parce qu'on voit quand même toute la place. On est devant, pendant, devant les monuments. C'est voulu, hein. C'est ce qu'on appelle les murs d'enceinte assises courbes. Tu vois, c'est très souvent une technique de construction pour bien maintenir ces murs finalement. Et en même temps, il y a certainement aussi un rappel probablement symbolique. Pardon. Les vagues de l'océan primordial, tu vois, aussi. Mais c'est surtout une raison technique. Les architectes qui ont travaillé dessus, qui ont parfaitement démontré que c'est un système de construction pour justement que ces murs... Là, c'est le contraire, du moins. Ça fait comme ça. Ah oui, oui, non, là, mais ça fait comme ça. Ça fait comme là, ça. Comme ça, comme ça. Oui, oui, tout à fait. Et tu le retrouves à Karnak aussi, dans les murs d'enceinte de Karnak, et puis même jusqu'à El Kab aussi, le grand mur d'enceinte d'El Kab aussi. Voilà. Et là, il y a Consigne. Là. Voilà, donc là, c'est pas gentil ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit charbonne. À qui ? Ah, je sais pas qui il dit. Un chien. Faut espérer, oui. Tout le monde est là ? Bon. Simplement, je vous fais une petite introduction de ce monument. Alors évidemment, là, c'est le temple d'Hathor Maat. Donc deux divinités quand même qui sont très associées finalement aussi à finalement l'histoire de ce village, mais au-delà de ça, puisque le temple est de l'époque ptolémaïque. Donc là, on est quand même beaucoup plus tard. Hein. On est à une époque finalement où on remet en place sur la rive gauche, enfin où on met surtout en place sur la rive gauche des temples qui ne sont pas plus des temples de culte royal, comme les châteaux de millions d'années que nous verrons par exemple demain, mais là des temples de culte divin véritablement, où on remet les dieux à leur place. Alors nous sommes à l'époque ptolémaïque. Ce temple a été construit à l'époque de Ptolémée IV Philopator, celui qui aime son père. Et puis il y a eu, si vous voulez, des petites extensions qui ont été menées un peu plus tard sous Ptolémée VI et sous Ptolémée VIII. Voilà. Alors c'est un petit temple. Alors encore, voyez-vous, donc qui est protégé par un mur d'enceinte d'origine, bien entendu, avec ses murs de briques de terre crue, porte d'accès,
Et puis vous avez donc ensuite l'intérieur, donc c'est un petit temple avec une petite salle hypostyle, un pronaos, et puis après ça les sanctuaires. Et il était bordé de petits magasins sur le côté. Il faut savoir que cet édifice, après son abandon au niveau des cultes, a été repris par les chrétiens. Les chrétiens l'ont conservé d'ailleurs à peu près dans l'état où il était. Et voyez-vous, toutes les inscriptions coptes ou grecques que vous avez sur les parois remontent à cette époque. Et c'était là, finalement, qu'était le fameux, monastère de Saint-Isidore le Martyr. Donc, un de ces petits monastères qui se trouvait sur la rive gauche de Thèbes. Donc, il était associé, bien sûr, au village de Deir el-Médineh. Quand on parle de Deir el-Médineh, c'est le couvent de la ville. Eh bien, le couvent de la ville, ici, c'était le petit monastère de Saint-Isidore le Martyr. Alors, vous allez pouvoir visiter à l'intérieur un petit peu les différentes scènes. Elles sont assez belles pour l'époque. Bien sûr, c'est le relief de l'époque ptolémaïque, ça n'a plus rien à voir avec le Nouvel Empire, mais c'est encore une belle époque et vous verrez qu'il y a parfois des scènes qui sont tout à fait intéressantes. Alors, les artisans, eux, fonctionnaient avec le sanctuaire de Ptah et de Meretseger, dont ils étaient d'ailleurs eux-mêmes officiants. C'est-à-dire, c'est eux qui géraient les cultes, hein, eux-mêmes, les artisans. Hein. Oui. Parce que là, ici, il n'y avait pas de temple. Et on peut penser, d'ailleurs, qu'à l'époque ramesside, cette zone-là était une zone qui était en extension du village. Donc c'est peut-être là aussi que Ramsès IV a agrandi son village. Et il y avait toute une série aussi de chapelles, vous voyez de l'autre côté, des chapelles qui étaient des chapelles de culte pour les divinités associées au village. Donc il y avait des chapelles pour Hathor, pour Renenutet, pour différentes divinités. Même une statue de Ramsès II était aussi même vénérée dans ce village, puisqu'on sait que déjà en l'an 9 du règne, des offrandes du Ramesséum venaient pour alimenter la statue de culte de Ramsès II à Deir el-Médineh. Donc il y avait tout un ensemble de petits cultes locaux, mais qui étaient très souvent gérés par les artisans du village. Donc voyez-vous, là, vous avez donc les colonnes sont des colonnes évidemment hathoriques, puisque ce temple est consacré à Maat. Hein, Maat, c'est la fameuse déesse, si vous voulez, qu'on dit de la justice, qu'on dit de la vérité, qu'on dit de l'ordre social, qu'on dit finalement de l'harmonie universelle. C'est celle finalement qui va essayer de maintenir cet équilibre nécessaire à la vie et surtout éviter que le royaume ne sombre à nouveau dans un chaos qui risquerait de l'emporter de nouveau vers l'incréé. Pour éviter ce retour à l'incréé, il faut une sorte de stabilité, c'est ce qui conditionne la vie de l'Égypte. Donc Maat est en principe la garante de cette stabilité, à condition bien sûr que Pharaon soit à la hauteur de la situation, c'est-à-dire que lui-même soit en accord avec Maat. Voilà, donc ce temple était consacré à cette divinité, et puis bien sûr à Hathor, parce que Hathor, c'est une déesse qui est associée bien sûr à la fois à la maternité, à l'amour, mais c'est aussi une déesse funéraire qui avait une très grande emprise sur la montagne Thébaine. C'est pour ça d'ailleurs que dans beaucoup de tombes à Thèbes, on voit Hathor sortir de la montagne Thébaine, finalement, sous la forme d'une vache. Voilà. Dans les reliefs, il y a toute une série de reliefs qui sont surtout des scènes d'offrandes, bien entendu. Donc là, c'est les Ptolémées qui font très souvent offrande, bien sûr, à toutes les divinités de la région, hein, parce que Thèbes, ce n'était pas uniquement Amon. Hein. Il y avait Amon, Moutre, en dessous, il y avait une quantité de dieux et de déesses qui étaient vénérés dans la région. Donc là, on les trouve représentés, notamment un peu sur toutes les parois de ce temple. Qui a été bien étudié d'ailleurs, et puis alors vous avez des scènes aussi tout à fait intéressantes, là où on voit justement, voyez-vous, des scènes représentées à Mont, hein, suivies aussi d'une déesse vache qui est représentée là, où on trouve une autre forme d'amont, etc. Une très très jolie scène aussi qui ont été nettoyées comme ici, avec une reine, voyez-vous, de l'époque ptolémaïque qui est là, qui est une reine Arsinoé, donc qui est une époque d'un des Ptolémées. Alors les offrandes, elles sont de différentes sortes, voyez-vous. Vous avez l'offrande ici, très spécifique, et l'offrande du vin. Donc, c'est deux petits récipients de forme globulaire, là c'est le vin.
Hein, d'ailleurs, l'offrande elle-même est indiquée ici, faire l'offrande du vin à son père. Hein, voilà, donc ça, c'est une offrande de vin qui est faite d'ailleurs au dieu Re Horarti, le grand dieu maître du ciel, donc qui est représenté ici sous forme, voyez-vous, de personnage hiéracocéphale. Là, de nouveau, on retrouve le roi, hein, voyez-vous, qui cette fois-ci est en train de jouer des sistres finalement, devant une déesse ici, qui est la déesse Hathor, hein, qui est signalée comme Hathor la Grande finalement. Et puis une autre, ben là c'est une autre déesse, là c'est Maat. C'est Maat qui est ici. Voilà, donc vous avez Hathor et Maat. Alors ici, ça c'est intéressant parce que voyez-vous, vous avez le roi, donc qui est en train de présenter quatre petits récipients. Très souvent d'ailleurs des récipients qui comprennent de l'eau pure. Et il fait cette offrande devant Osiris et la déesse Neftis, voyez-vous, avec le signe de son nom qui est sur la tête. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir, voyez-vous, que Osiris, son nom, apparaît dans un cartouche. Hein? Et ça, c'est intéressant parce que vous savez que Osiris est considéré, dans l'Antiquité égyptienne, comme étant celui qui apparaît comme le premier roi, celui qui a apporté finalement l'assimilation à l'Égypte. Donc ça veut dire qu'il apparaît comme un cartouche. Et il est signalé, voyez-vous, comme étant Unen Nefer Ma Reru. Unen Nefer, c'est l'être bon par excellence, justifié. Voilà. Donc là, c'est un autre dieu, là, c'est Horus Ornedjitev qui est représenté ici. Donc toujours, voyez-vous, ce sont des scènes d'offrandes qui sont réparties un petit peu sur les parois. En face de vous, voyez-vous, sur le linteau au-dessus de la porte, là, c'est une scène intéressante où vous voyez, ce sont des babouins qui sont en jubilation devant le soleil à sa naissance. Alors, vous savez, ça, c'est une scène aussi très caractéristique. Ces babouins, quand on les voit le matin, ça, c'est là où on voit que les Égyptiens étaient très, très observateurs de la nature, aussi bien de la faune que de la flore qui les entourait, c'est qu'ils savaient très bien que quand le soleil se lève le matin, les babouins sont tout de suite en train de sauter, c'est-à-dire qu'ils sont en train de jubiler finalement de voir comment la chaleur arriver, le soleil arriver. Et bien voyez-vous, vous les avez là, et là ils symbolisent finalement, vous en avez 8, 4 de chaque côté, le scarabée ailé au milieu, et bien c'est le soleil qui apparaît petit à petit, c'est le soleil naissant, hein, parce que vous avez 3 formes du soleil, vous avez le soleil sous forme de scarabée, c'est le soleil naissant, le soleil dans la plénitude, c'est le disque solaire lui-même. Et le soleil du soir, c'est un dieu qui, avec sa canne, finalement, qui est à tour, finalement, qui est fatigué, donc qui va aller se reposer dans l'horizon avant de renaître le lendemain sous une autre forme. Et bien là, c'est finalement l'Ogdoad d'Hermopolis. Donc là, si vous voulez, c'est toute une théologie, c'est la théologie hermopolitaine, puisque vous savez, la création du monde pour les anciens Égyptiens était présentée de différentes façons en fonction des grandes écoles théologiques de l'Égypte de l'époque. Et bien les Hermopolitains, eux, si vous voulez, ils avaient représenté un petit peu cette naissance du monde, du soleil, à travers ces babouins, vous voyez, ces 8 babouins qui étaient les entités un petit peu primordiales de la création, associées au disque qui allait sortir des ténèbres et qui allait donner vie à l'Égypte. Voilà. Ça, c'est une image du soleil. Du soleil mort, du soleil en léthargie, c'est-à-dire une séquence finalement associée au soleil. Il faut savoir que dans ce temple, vous savez, on avait aussi il y a deux personnages qui ont été divinisés, et ça c'est important, c'est-à-dire que ce n'était pas consacré uniquement à des dieux, mais à deux hommes divinisés finalement, qui étaient deux architectes de grand talent, à savoir Imhotep, l'architecte qui avait construit la fameuse pyramide de Djéser à Saqqara, et puis Amenhotep, fils de Hapou, qui était le grand architecte d'Amenophis III. Vous savez que ces deux hommes-là ont été sanctifiés, canonisés et même divinisés. Donc ils sont reproduits également dans l'iconographie de ces temples, et notamment dans ce temple, d'ailleurs comme celui de... Comment de... Pardon ? Derrière le mur. Voilà, et puis aussi on les a également dans le petit temple de Thoth au Kasrelagus. Voilà, hein. Et puis même aussi dans le temple d'Hatshepsut à Derel Bari, puisque la partie ptolémaïque du temple d'Hatshepsut
dans le sanctuaire, ils sont représentés en tant que finalement divinisés. Alors c'est ce qui explique aussi, si vous voulez, que dans ce temple, on ait une scène qui soit une scène en relation avec la pesée du cœur, puisque même si ce sont des divinités, ils ont été d'abord des hommes avant d'être des divinités, donc il faut quand même bien mettre en place aussi cette scène, qui est la fameuse scène qui permet d'accéder finalement à l'immortalité, puisque là, c'est la pesée du cœur, c'est-à-dire voir si, avant de partir vers l'autre monde, le défunt s'est bien comporté durant son séjour terrestre. Donc vous avez d'un côté, bien sûr, vous, sur cette balance, hein, vous avez d'un côté le cœur du défunt, de l'autre côté la plume, la légèreté, c'est-à-dire finalement de dire, bon, ben, je suis pur, je n'ai pas de problème. Donc, en fonction, voyez-vous, les dieux sont en train de mettre les choses en place, et si ça penche d'un côté qui est évidemment d'un mauvais côté, là, la grande dévorante, qui est représentée là-bas, voyez-vous, c'est une espèce de monstre hybride, attend le défunt pour pouvoir le dévorer. Donc c'est un anéantissement définitif, la personne n'aura pas droit au paradis. En revanche, si les deux pesons de la balance ne bougent pas, hein, ça veut dire que finalement, la personne, le défunt, est considéré comme acquitté, justifié, et là, bien entendu, il va gagner son paradis. Donc ça, c'est une scène, si vous voulez, que l'on retrouve très souvent, plutôt dans le contexte des tombes que dans le contexte des temples. Alors ici, vous avez aussi une très jolie scène, voyez-vous, juste en face de vous. Et là, c'est un des rois Ptolémée qui est en train d'accomplir une fumigation, voyez-vous, devant un Anubis qui tient quelque chose d'assez étrange, c'est ce disque vert. Eh bien, ce disque vert, voyez-vous, est en relation avec le soleil mort, ou plutôt le soleil en léthargie, puisqu'il faut savoir que le soleil ne meurt jamais. Il va rejoindre l'horizon occidental, il va faire ce périple pendant les 12 heures de la nuit où il va se confondre avec Osiris, et à l'aube nouvelle, il va apparaître complètement régénéré, ce qui va justement permettre à l'Égypte de pouvoir vivre une nouvelle journée sans problème. Et bien là, voyez-vous, le roi est face à Anubis qui présente le soleil vert, c'est-à-dire le soleil mort, ou plutôt le soleil en léthargie. Et derrière lui, pour bien rappeler que ce n'est qu'une séquence, vous avez le fameux dieu Min, celui qui est le Amon-Min générateur, c'est-à-dire celui qui est porteur justement de l'avenir, puisque par Min, et bien entendu, c'est ce qui va permettre à la vie de se poursuivre. Voilà. Alors là aussi, vous avez une très belle représentation au-dessus de cette porte. Je le dis, vous pouvez vous prévoir ensuite en rentrant, c'est, voyez-vous, c'est ce bélier à quatre têtes. Hein. Alors ça, c'est une image finalement plutôt d'Amon que d'Osiris, parce que parfois on la désigne comme étant une image d'Osiris, mais c'est plutôt une image d'Amon. Et c'est finalement les quatre éléments qui sont là réunis, à savoir la terre, le feu, l'eau et l'air. Hein. Donc les quatre éléments indispensables, bien sûr, à la vie. C'est pas gentil ce qu'il dit. J'en refais. Vas-y. Et là, ils ont trouvé finalement la caverne d'Ali Baba. Ah oui, non, mais ça fait comme ça. On fait venir en 1977 Ramsès II avec un passeport, parce qu'il a fallu une femme avec un passeport.